Je suis Alessandro Parente, je suis reporter freelance italien. Depuis 7 mois, depuis le début de la crise sanitaire, je documente la relation entre l'accélération des contaminations de COVID-19 et les facteurs socio-économiques du département de la Seine-Saint-Denis. Je me suis concentré sur 4 facteurs. Le premier, c'est les logements. Ici, on vit dans une densité 64 fois plus que le reste du pays. Le deuxième, c'est le travail précaire. Les travailleurs ils ont continué à bosser pendant tout le confinement. D'ici, on va au troisième point, les transports publics. Les transports en commun, ici, ils étaient réduits, même si le même numéro de gens allaient à travailler dans cette région-là. On arrive au quatrième point, migrants, réfugiés surtout, qui viennent d'Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, de toute l'Afrique, de Ghana, Nigeria, Éthiopie, Somalie, Érythrée. Tous ces gens se sont installés sur le canal d'Aubervilliers, un campement de 2000 tentes. Un deuxième campement, ils viennent de s'installer à Saint-Denis. On parle de 1500 réfugiés, êtres humains, qui ont le droit à une vie plus digne. Cet reportage, il est devenu un livre, Sans pandémie. Et maintenant, on a besoin de l'aide de tout le monde pour le produire. Contribuez à notre campagne. Merci.